Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le deuxième épisode de la nouvelle série, donc la série découverte de DLC. Donc toujours sur le DLC Scandinavie, donc on part de Esberg, de où on était l'autre jour, à. Alors comment ça se dit? Donc on va à Aalborg. Voilà, bon, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Donc on va là-bas. On visitera peut-être la ville, je sais pas si je la visiterai avec vous ou pas, on verra bien. Donc je transporte des bovins de 14 tonnes. Ah oui, donc je suis plus dans le négatif, ça a bugué, ça m'a rajouté de l'argent. L'argent plus que ça a mis, c'était de l'argent que j'avais jeté sur une partie, donc j'ai pas trop compris. Donc du coup en fait j'ai juste enlevé le 9 devant. Donc du coup j'ai quand même gardé un petit peu d'argent pour éviter d'être tout le temps dans le déficit. Et donc là on transporte des bovins de 14 tonnes, donc la remorque est quand même sur deux étages hein, de bovins, donc elle est pas mal grande la remorque, et c'est en plus du transport fragile, donc et elle est pas mal grande. Hein. Vous voyez, il y a ce qu'il faut quoi. Donc on va destiner à Aalborg, à l'entrepôt Aria Food, attendu entre mercredi 2h49 et mercredi 4h19, revenu de la mission donc 15 736 euros quand même, c'est plutôt pas mal. Hop, donc y a personne, on va tourner. Et on tourne là-bas. Attendez, c'est ça, hein? Non, on tourne là. Ok. Très bien. Alors, donc oui. Revenu de la mission, t'as un instant 4h34 et prochaine coupure, donc on a le temps. Donc je pense qu'on aura le temps. Et on arrive dans combien de temps? Oh oui, 3h36, donc je pense que ça va aller. C'est un petit peu de la livraison rapide en plus, alors je pense qu'on est dans les capacités. Surtout avec notre camion, je pense que. Oula, il est gourmand. On peut y aller quoi. Hop, c'est parti. Donc, j'espère que cette nouvelle série vous plaît. Donc, vu que l'épisode là, je le fais en avant, j'aurais toujours pas eu vos retours pour la nouvelle série, enfin les vues et tout ça. Voir si ça vous a plu, le nombre de j'aime, j'aurais pas vu tout ça donc. Je pourrais pas trop savoir. Ouh là, je roule un petit peu vite. C'est vrai que sur cette partie de la carte maintenant, la Scandinavie. Ah oui, alors, oui, donc j'ai fait des nouveaux achats, bien sûr, parce que j'avais profité que c'était les soldes de Steam. Bien sûr. Donc pour prendre le rond-point, là on fait tac. Ah, le problème, c'est que c'est des petits ronds-points. Voilà, quoi. Je fais comme je peux, hein. Alors donc, oui, je disais que. Pour oula, attendez, je vais remettre le petit rétroviseur du coup. Pour alors, donc pour les soldes de Steam, j'ai refait des petits achats. Donc, oula, ah oui, d'accord, ok, ça les oublie. Bon, oui, si on va les mettre quand même, parce qu'il faut qu'on voit. Oui, donc pour les soldes de Steam, qu'est-ce que j'ai acheté en plus? J'ai acheté donc le cabine accessoire. Attends, j'avais acheté quoi? J'avais acheté le Christmas Pendulum et le DLC Scandinavie, je l'avais acheté en version boîte. Donc j'ai acheté en fait le cabine accessoire, le Gwyn East, le Height Cargo. Gwyn East, cabine accessoire, Height Cargo et puis c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal parce que c'est pas gratuit, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est cette série, donc on découvrira tout ça. Bon là c'est pas un Height Cargo. C'est ce qu'il y a avec le DLC Scandinavie, donc la remorque que j'ai là, donc voilà, pour l'instant c'est pas un Night Cargo. Il y aura une vidéo vraiment spéciale. Oula, oula, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Il y aura vraiment une vidéo. Mince, 4%. Désolé les petites vaches. Ah bah lui il a la même remorque que moi d'ailleurs. Hop. Hop. Je vais essayer de le doubler comme ça. Hop. Voilà. Nickel. Ah oui, c'est un Scania, mais il a l'air d'être un peu plus petit. Ah, mais non, elle est un peu plus longue, je trouve, la remorque. Le problème, c'est qu'on voit pas très bien du coup. Elle dépasse et tout en plus. Ah ouais. Elle est pas mal grande cette remorque, elle est plutôt pas mal. Oui, donc je disais que je ferai une vidéo spéciale vraiment pour le cabine accessoire. Pour. Ah, d'ailleurs, on va aller le tester après le cabine accessoire, je pense. Pour le cabine accessoire et pour le Christmas Pendulum et pour le Height Cargo, et je pense que ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal.
Donc ça arrivera après les vidéos découvertes de mode sur Farming Simulator 2015. Ou peut-être qu'il y aura une vidéo DLC et une vidéo Farming Simulator 2015 dans la même semaine. Et je roule vraiment comme un tabasu, quoi. N'importe quoi. On va mettre le petit régulateur de vitesse, je pense. Ça fera plutôt... Ah, mais du coup, combien? Ah bah, 25%. Je venais de le faire réparer, quoi. Non, mais... Oh là là. On va essayer de rouler un petit peu sérieux. C'est parce que là, je parle et tout en même temps, donc c'est pas facile, facile. Sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oula, mais n'importe... Mais... Oh, c'est pas possible, quoi. Hop. Attends, je vais mettre le régulateur de vitesse, je vais le mettre à 110 tranquillement. Oui, c'est pas très 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 réaliste. Hop. Oula. Il y a un virage qui arrive. Hop. Oh! Hop, donc voilà pour cette nouvelle série. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense que oui, c'est comme ça en attendant. American Truck, donc American Truck, vraiment hâte, 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 parce que ça reste sous un petit peu Euro Truck Simulator 2, mais des décors d'Amérique, des camions américains. Donc tout ça changera en plus à la Californie. Donc moi j'aime bien la Californie. C'est vrai que c'est une partie de l'Amérique que j'aime plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Oula. On freine un petit peu. Hop. Il reste quand même derrière le camion. Il est fou. Il est fou, il est fou. Je suis à 11 000 km/h. Hop. Hop. Tac. Oula, hop. Hop, 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 hop. Oula, faut que je fasse attention au virage quand même, parce que... Pas faire n'importe quoi. Donc là, il y aurait deux épisodes sur cette série cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. Un lundi, un samedi. Excusez-moi. Oui, bon. Oui, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt... Ou peut-être un lundi et un jeudi, je fais... Oh, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Hop. Tac. Je sais vraiment pas trop, donc on verra bien. Au feeling. Hop, un petit peu 110 là parce que... Hop. Ah oui, c'est bien à Aalborg dans 1000 km déjà. Enfin, 1000... bah oui, 1000 km. Bah oui, 1000 mètres c'est 1000 km. Oui. Non, 1000 mètres c'est 1 km. Franchement, n'importe quoi là. Donc dans les kilomètres, on est arrivé à Aalborg. Je fais pas de cours de danois, donc parce qu'on est en Danemark, donc je fais pas de cours de danois, donc je sais pas. Oula. Hop. On va freiner. Freine, 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 parce que moi, faut que je tourne là. Hop. Oula, oula. Attention, attention, attention. Ouh, je l'ai bien pris pour une fois. Oh, bah dis donc. C'est que je m'améliore. Ah,
Ah ça, je m'en doutais de celle-là. Ah bah ça, c'était prévisible, hein. Lui se la prend pas, mais moi je me la prends, hein. Hop. Hop. Oula, non, je tourne pas là, de toute façon, je peux pas y aller. Allez. Notre client souhaite réceptionner sa livraison là. Oui, bah, elle sera à l'heure, hein. Tiens, là, j'arrive donc. Oula, hey, calme-toi un peu. Tiens, les... je suis déjà arrivé. Aria, je livre où? Je livre là? Ok, ça marche. Donc, on est déjà arrivé? Ah, ouais, 10 minutes. Alors, attendez. En même temps, on ira voir le DLC. Cabine accessoire. Oh là là, bah, mais alors là, je vous dis pas la galère. Alors, attendez, parce que. C'est vrai que j'aime bien rester en vue intérieure. Mais il y a des fois, c'est pas trop possible. Alors, attendez. Ah. Voilà. Si je fais. Oula, oula, oula. Et je me prends. Attendez. Voilà. Non, non, attendez. Je vais quand même bien me regarder quand même. Faut pas se foutre de la tronche du client. Allez, accélère. Je vais te réparer en même temps. Qu'est-ce que. Mais... Ah, c'est pas possible de voir ça. Accélère. T. Voilà. Et bah, du coup, c'est pas... Oula, j'ai des succès Steam. Touriste, 2 sur 26. Ok. Ok. Des petits succès Steam, c'est plutôt pas mal. Hop, on tourne. Ouh là 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 là. Ouf. C'est pas passé loin. Alors, donc du coup, où c'est? Où c'est? Alors, je voudrais savoir. Ah, c'est là. Ok. Elle va me faire passer comme ça. Ok, d'accord. Oh, je voudrais pas passer par l'autoroute quand même. Attends. Enlève ça. Fais-moi passer par... ouais, là. Et puis par là. Ouais, ça changera comme ça sera plus joli. Que toujours passer par l'autoroute, l'autoroute. Voir ce qu'il a un peu dans le ventre ce DLC. Donc toujours pas la carte graphique, la semaine prochaine oui. D'ailleurs, je l'aurais commandé où je tourne cette vidéo. Donc, c'est parce que là je l'ai fait d'avance la vidéo. Donc du coup, je peux pas attendre que la carte graphique soit reçue. Parce que les vidéos doivent être tournées d'avance. Donc je pense que le prochain épisode, oui. Elle sera là, donc ça fera du bien. Ça fera vraiment du bien. C'est pour ça que peut-être le temps que j'installe les pilotes et tout. Je sais pas s'il y aura des vidéos. Oula, bah j'arrive. Je suis déjà arrivé à. À Ikea. Enfin, Ikea, mais c'est Ikea quoi. Parce que regardez, désolé, mais là c'est. C'est Ikea quoi. Vu comment c'est fait. En plus, je crois qu'il y a un endroit pour la réception. Il y a un endroit pour prendre la remorque. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Là, c'est un autre truc, mais vraiment, c'est beau. Il n'y a rien à redire. Je fais un peu de contresens. C'est un petit peu 50, là. On est un petit peu en ville, quand même. Hein. Faut pas l'oublier, ça, quand même. Ah, bah, avec cette vitesse. Ah, oui, c'est ça, les nouveaux feux, là. Oh, faut que je fasse attention. Parce que c'est que cette vitesse, ça va très, très vite. Allez, accélère. Oula. C'est toujours. C'est bien, ça, que les feux, ils marchent pas. Ah oui, mais donc du coup, voilà ce que ça fait quoi. Hop. Hop. Ouh là là, faites voir comment ça fait. Ah ouais. Ah ouais, non, mais on s'y croit vraiment avec ce DLC, c'est impressionnant. Oh là là là. Ah ouais, non, mais ce DLC, il envoie. Je pense qu'on va s'acheter une petite entreprise dans cette partie scandinave.
Après, je sais pas trop, mais je pense. Allez, accélère un petit peu. Hop, voilà. Réparation. On va réparer ça. Et on va vous, je vais vous montrer le magasin de pièces. On va aller à l'intérieur. Ah ouais, je pense que là, ça donne. On peut poser le petit ordinateur, le petit sac. Ah ouais, oh là 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 là. C'est quoi ça? Le petit sac aussi, on peut le mettre là? Ah là là. Je pense qu'on va poser l'ordi là, ouais. La glacière. Combien coûte la glacière? Moi, oh, j'ai pas envie de glacière, non. Non, non, j'ai pas envie de... Attends, voilà comment. La glacière. Comment on fait pour l'enlever? Ah, j'ai pas envie de prendre la glacière. Non, je ne prends pas de glacière. Je veux pas, rien là. Le mobile. Le casque déjà entamé, c'est pas très propre ça. Ok. Les petites lunettes, le petit portefeuille. Oh, je sais pas trop quoi mettre. Le petit téléphone, oh, je sais pas. American Truck Simulator en plus dessus, il y a marqué. C'est pas mal. Je pense pas tout mettre. Faites voir ce qu'on peut mettre là. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, oui, c'est ça que je voulais mettre. Je voulais mettre des petits Père Noël, ouais. Alors, attendez. Les petits Père Noël, je crois qu'on peut les mettre là aussi. Non, c'est pas là, c'est là. Ah oui, le petit GPS ici. Ah ouais. Ah, c'est trop beau. Attendez, je voudrais juste mettre les petits Père Noël à un endroit. Je sais plus trop où... Non, mais ça, c'est les trucs... Moi, je veux pas trop de ça. Pas trop de trucs qui pendouillent comme ça. J'aime pas trop ça. Ah, des petits... Oh! Ah oui, pour Noël. Juste ça pour Noël. Parce que, enfin, c'est plus trop Noël, mais juste quand même mettre ça pour... Pour Noël. Voilà. Juste ça. Et alors, du coup, c'est là-bas qu'on met les petits trucs de Noël. Alors, on peut mettre ça. On peut mettre que ça dans le truc de Noël. J'ai vu plus de trucs. On va pas mettre que des Pères Noël non plus. On va mettre le portefeuille, ouais. Et puis on va mettre, tiens, le télé. Ouais, le téléphone là-haut. Non, pas trop. Ouais, on va mettre ça. Ouais, on va mettre ça là-haut. Et puis on va dire, bah tiens, il lui faut son téléphone. Voilà. Voilà. C'est pas trop chargé, je pense que c'est pas. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut juste mettre ça là. Ça, c'est la plaque du convoyeur. Je pense qu'on peut mettre que ça. Hop. Et puis là, je sais pas trop ce qu'on peut mettre. Ouais, mais. Le problème, c'est qu'après, il y aura trop de trucs. Ouais, non, j'ai pas trop envie de mettre ça, quoi. Non, on va pas mettre ça, ça va pendouiller, ça va pas très faire joli. Hop, on prend ça, voilà. Voilà, donc voilà pour cette petite découverte. Ce qu'on va faire, on va choisir la petite mission pour jeudi prochain. Ah oui, puis ça bouge en même temps. Ah ouais, c'est stylé, c'est stylé. Puis l'ordinateur là-bas, oula. Ah ouais. Attendez, F4 parce que du coup ça m'a tout désactivé. Excusez-moi. Ah oui, le petit Père Noël. Attendez. Attendez. Là il y a les feux. Là... Il reste allumé la nuit et tout. Oh, c'est trop beau. Bon, c'est Noël donc du coup j'ai mis la petite guirlande. Puis la petite guirlande, elle se voit aussi. Ah ouais. Ah, c'est. Méga beau. Ah ouais, clignote et tout. Ok, donc. Ce qu'on va faire, bah, je pense qu'on va se laisser là, les amis. Donc, je pense que les prochains épisodes, on fera sur le même format que pour la carte suivie. C'est-à-dire que dès que j'arriverai avec la remorque, dès que j'arriverai avec la remorque, je ferai une petite coupure. Je visiterai la map, enfin la ville, parce que je pense que la ville, ça vous intéresse pas plus que ça. Et on se retrouvera avec une nouvelle cargaison pour découvrir une autre ville. Je pense que c'est le bon compromis et ça fait avancer la série. Donc on fera ça. Et donc voilà. Donc là vous avez vu un petit peu ça. Voilà, je vais essayer de vous prendre une mission high cargo pour les prochaines villes. Donc les villes, j'essaie que ça soit linéaire pour qu'on vise tout le Danemark, toute la Norvège, toute la Suède. Enfin, on va faire Danemark, Suède et Norvège.
On va finir comme ça. Hein. Ça sera plutôt pas mal. Ouais, ça, c'est le Danemark. Attendez, voilà, c'est là où il y a marqué. Donc là, c'est le Danemark. Là, c'est la Suède. Là, c'est on va jouer. Voilà, donc on va faire tout le Danemark. Après, on va faire toute la Suède. Et ça sera plutôt pas mal. Donc là, on va essayer d'aller soit là ou soit redescendre. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est un petit peu le. Ah, c'est un petit peu le parcours du combattant pour trouver. Pour trouver à chaque fois. Une ville qu'on veut que, pour que ça soit linéaire, à chaque fois faut dormir et tout, c'est un petit peu le parcours du combattant. Donc je pense pour cet épisode on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, c'est trop beau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, voilà, donc c'est ça qu'il disait dans le blog. Donc avec le Christmas Paint Job, j'ai le Père Noël. Et avec le Ice Gold, j'aurai le bonhomme de neige et le Père Noël. Ok, il faut le Ice Gold pour le bonhomme de neige et le Christmas pour le Père Noël. Ok, oui, voilà, c'est ça. Mais il s'explique pas très bien. Il s'explique pas très bien aussi. Bon, c'est pas très grave. Avec le petit téléphone American Truck. Donc, voilà. Hop, on coupe. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, sinon que les découvertes de ces DLC vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en pouce bleu. Twitter, Facebook, c'est dans la description, comme toujours, le petit PayPal aussi pour me soutenir. C'était Quasi 9, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.